Allez les amis, c'est parti pour une nouvelle guidance intemporelle à partir du moment où vous regardez cette vidéo. J'espère que vous allez tous très bien les amis. Merci infiniment pour votre bienveillance et tout ce que vous m'apportez les amis, parce que sachez que c'est un réel plaisir. Ben voilà, on a déjà la carte des plaisirs et de la paix les amis, de la paix retrouvée, des choses qui s'adoucissent. Peut-être que certaines personnes se retrouvent avec le fait d'avoir une vie plus harmonieuse, plus douce, plus agréable. Peut-être parce qu'elles ont décidé d'arrêter de se battre peut-être. Peut-être d'arrêter de combattre soi-même, soit des situations extérieures, d'être plutôt dans un lâcher-prise. Et là, on voit qu'il y a une notion de paix et de douceur, d'harmonie, je dirais. Il y a vraiment un retour à l'harmonie avec ces cartes. On nous parle de soutien également de l'univers. On nous parle de réel soutien. Alors, soit dans la matière, soit de l'univers, en fait, pour vous ramener cette douceur, cette paix, cette joie de vivre. Voilà, j'ai l'impression qu'il y en a avec ce tirage qui vont peut-être penser à prendre soin d'elles-mêmes, à profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Voilà, il y a une notion vraiment de paix, d'harmonie et de véritable soutien de l'univers, quoi qu'il en soit. Voilà, donc c'est plutôt pas mal pour démarrer ce tirage, les amis. Allez, je continue. Donc là, moi, pour moi, avec ce tirage, on me parle vraiment de douceur, les amis, de soutien et de douceur. Voilà, des choses qui peut-être s'adoucissent aussi dans vos vies, pourquoi pas. Un retour à peut-être davantage de paix, de sérénité aussi. Et on vous parle d'un véritable soutien de l'univers. Il y a le rêve. Hein. Donc, et pour moi, avec la notion de la carte de rêve, j'entends la douceur, les amis. Il y a une notion de choses qui s'apaisent hein, là. Donc si certaines personnes sont passées par des phases compliquées, on dirait qu'il y a un retour à un peu plus de plaisir dans la vie, des plaisirs simples, on me dit. Un retour à une certaine forme de sérénité, de paix. On vous dit que de toute manière, vous êtes protégé, que vous recevez l'appui de l'univers et que quelque part, peut-être aussi, l'univers va vous aider à concrétiser des rêves avec la carte du rêve. Hein. En tout cas, je ressens beaucoup de douceur dans ce tirage. Hein. De douceur, de paix, d'harmonie et de soutien aussi de l'univers. Voilà, mais bon, là j'entends les choses s'apaisent. Donc peut-être que pour certaines personnes, les choses sont en phase de s'apaiser. Peut-être que avec la paix, ben, c'est vous-même qui décidez de retrouver une certaine forme de paix et du coup ça se manifeste dans votre vie. Ça passe peut-être par une paix intérieure. Il y a une notion d'abondance. Elles sont belles, hein, ils sont beaux ces tirages en ce moment. Hein, l'abondance, la paix, la sérénité. Il y a vraiment de très jolies choses. Le bout du tunnel, l'espoir, les amis. Donc là, ce tirage, c'est vraiment là pour vous dire que les choses vont s'apaiser, vont s'arranger. C'est aussi là parce que là, j'entends tout va bien se passer. Donc, en fonction de là où vous en êtes, on est en train de vous dire que les choses, les énergies vont s'apaiser, que le retour à la douceur arrive. Que les problématiques que vous avez traversées, si vous en avez traversé, eh ben, ça va s'apaiser parce qu'il y a vraiment cette notion de bout du tunnel au niveau de l'abondance. Continuez de croire en vos rêves également, les amis. Hein. Il y a la notion de printemps, donc de choses qui arrivent pour vous, en fait. Peut-être des choses qui étaient jusque-là en gestation qui arrivent, qui vont vous apporter énormément de richesses. Voilà, pour moi, il y a vraiment cette notion aussi de soutien de l'univers. En tout cas, on voit que on vous invite à garder espoir. Peut-être que certaines personnes ont combattu le fait de ne pas pouvoir réaliser des choses qui leur tiennent à cœur. Et là, on est en train de vous dire que vous allez avoir un appui nécessaire de l'univers pour que les choses s'apaisent, pour que les choses redeviennent plus douces. On nous parle de bout du tunnel, donc peut-être que certaines personnes, ça a été long. Et là, on est en train de vous dire qu'avec le printemps, c'est vraiment le bout du tunnel, justement. Donc, un nouveau cycle qui s'ouvre. En tout cas, vous êtes au bout et il y a cette notion de retour à l'abondance et de douceur dans votre vie. C'est juste très beau, les amis. Allez, je continue. Avec le Lenormand. Ouais, il y a eu beaucoup de stress, je pense, pour certains. Alors, stress intérieur, stress en lien avec des relations. En dessous de la paix, les amis, ça veut dire que vous allez réussir à sortir de cet état de stress qui a vraiment un retour au plaisir de la vie et à la paix, les amis. Ouais, il y a la sérénité, les étoiles.
Ah, c'est beau. L'étoile, c'est la notion de tout ce qui est douceur, apaisement, sérénité, bonne étoile, soutien de l'univers également qui veille sur vous. Et donc, vous allez passer d'un état de stress, si vous êtes encore dedans, à les choses s'apaisent, quoi. Moi, en même temps, avec ce tirage, j'entends tout va s'arranger, les amis. Donc, il y a vraiment un retour à l'harmonie et à la sérénité. C'est beau. Vous sortez des choses qui ont été compliquées, des stress que ça vous a fournis. Enfin, voilà, hein. C'est vraiment le tirage apaisement. Hein. Ouais, il y a les cadeaux et les bénédictions du ciel. C'est beau. La réouverture peut-être à des choses qui vous épanouissent pour certains. Peut-être que certaines personnes ont perdu momentanément l'envie de se faire plaisir, de voilà. Et là, il y a vraiment aussi une notion de retour à l'épanouissement, les amis, avec la carte du bouquet. La carte du bouquet, c'est également les bénédictions qui viennent du ciel. Les choses qui arrivent et qui sont positives pour vous ramener aussi peut-être de la sérénité, pour vous guider aussi peut-être dans la bonne direction avec l'étoile. Il y a une notion quand même de protection également avec l'étoile. Alors protection avec la pluie de l'univers, ça me fait vraiment penser à l'univers qui est bienveillant et qui vous dit que tout va bien se passer et que les choses vont s'adoucir. Voilà les amis, en tout cas, il y a quand même une notion de beaucoup de douceur avec ce tirage. Vraiment, vraiment, c'est ce qui me vient. Et aussi un peu de retour au plaisir de la vie, comme si certaines personnes s'étaient empêchées de se faire plaisir ou s'étaient empêchées de vivre pendant un moment. Où j'ai toute cette notion-là qui remonte du fait de stress, du fait d'avoir été rongée par des situations ou des relations. Tout ça, ça se détache en fait. Ça se détache et vous retrouvez de la paix, de la sérénité par le soutien de l'univers. Vous allez être guidé dans la bonne direction et puis on me dit que vous allez recevoir quand même des récompenses, des bénédictions aussi du ciel sur l'appui. Alors ça peut être juste l'arrivée de quelqu'un qui va vous ouvrir une porte ou qui va vous apporter son soutien. C'est peut-être ça aussi l'appui de l'univers ou qui va vous guider dans la bonne direction, qui va vous envoyer des signes et des messages que vous allez comprendre. Ça peut être tellement de choses, les amis, que voilà. En tout cas, vraiment, vraiment, un retour à de la douceur. Et ça fait vraiment plaisir. Allez, je continue. Il y a eu une période d'enfermement, peut-être. Je vous dis stress, enfermement, les amis. Il y en a qui ont été rongés par des situations, rongés par des relations, ont eu du mal à voir le bout du tunnel. Et là, on vous dit vraiment que le bout du tunnel arrive, quoi. Que le bout du tunnel arrive et que l'univers, vraiment, pendant toute cette période, vous a accompagné, vous a protégé, vous a. Voilà, en attendant la suite, il y a un retour à la joie de vivre, les amis. Il y a un retour à la joie de vivre qui ramène de la légèreté en vous-même, mais peut-être aussi dans votre famille. Peut-être que c'est un enfant de votre famille qui a traversé ces énergies. Il y a un retour au plaisir, à la douceur, donc les choses s'arrangent. Peut-être que vous avez été en conflit avec un enfant et on vous dit que vous enterrez la hache de guerre et que ça y est, les choses s'apaisent et redeviennent fluides et légères. Vous adaptez à votre situation. En tout cas, on voit qu'il y a de la légèreté qui revient avec l'enfant, les plaisirs, le fait d'avoir l'épanouissement. Il y a vraiment quelque chose qui arrive pour vous sortir de cet état d'enfermement ou pour vous faire revenir au plaisir simple de la vie. Parce que j'ai ce message aussi. Revenez au plaisir simple de la vie, les amis. Les petites choses qui vous font du bien et qui vous font plaisir, intégrez-le dans votre quotidien. Vous le méritez. Vous le méritez tout simplement. Et le fait de faire ça, ben, ça va vous ramener peut-être de la sérénité, du calme et davantage de mieux-être, les amis. On nous parle d'entourage familial, donc on va voir la suite. Moi, je pense que c'est traversé, soit vous l'avez traversé avec des membres de votre famille, soit vous l'avez traversé et ça a eu un impact sur votre cercle familial. On voit qu'il y a une élévation et sur les plaisirs, et sur la paix, ça veut dire que les choses s'arrangent, que tout va bien se passer, en fait, pour tout le monde. Voilà ce qui me vient, les amis. On nous parle de la tête du dragon. La tête du dragon, c'est une belle évolution, une expansion, quelque chose qui vous tire vers le haut et qui va vers du positif. Donc, si on a le retour à l'équilibre, à l'harmonie, et en plus que ça va
se développer. Ça veut dire que vraiment, il y a quelque chose de puissant qui va revenir dans votre vie pour que vous viviez de façon plus sereine et que vous, voilà, vous retrouviez une certaine forme de joie, parce qu'on a l'enfant avec la joie sur le Sagittaire qui est quand même aussi le signe de l'expansion. Le fait de la tête du dragon sur la famille, ça veut dire que les choses évoluent favorablement, positivement, les amis. En tout cas, il y a une belle paix, une belle sérénité. Il y a aussi l'appui de l'univers, les amis. Et n'oubliez pas qu'il y avait également la protection, les amis. La protection. Voilà. Donc, si chez vous, c'est pas encore en phase de les choses vont s'arranger, ben, ce tirage est là pour vous dire que oui, ça va finalement arriver. Oui, les choses vont s'arranger. Voilà, les amis. Hein. On nous parle d'un retour également à plus de spiritualité ou de connexion avec soi-même. Voilà ce qui me vient, les amis. Il y a aussi peut-être l'entourage qui est important. Voilà, tout simplement. Peut-être que certaines personnes se sentent seules et vont avoir l'arrivée de personnes dans leur vie qui vont les guider, les accompagner. Après, j'ai l'impression également qu'il y a le fait de célébrer des choses qui va vous ramener aussi du plaisir, ou de prendre du temps pour soi et sa famille qui va vous ramener du plaisir. En tout cas, on voit que toutes les relations sont harmonieuses, vous rendent sereines et vous apportent énormément de paix, les amis. Alors avec le 8 de bâton, il y a quand même la notion d'accélération de choses également. Donc il y avait une très belle expansion tout à l'heure, là il y a une accélération des choses, donc je pense que vraiment la sérénité va vite revenir dans votre vie. Voilà les amis. Il y a aussi beaucoup de connexions spirituelles, j'entends, avec le pape. Alors, voilà, bah, écoutez, c'est ce que j'entends, donc je vous le dis. Il y a des gens qui vont faire de nouvelles rencontres avec lesquelles il va y avoir un grand plaisir de se retrouver ou de créer des choses ou d'avancer dans des mêmes directions. Et il y a vraiment des connexions spirituelles importantes entre ces personnes, les amis. Et on vous dit que ça s'accélère, hein. Donc les personnes vont à présent rentrer dans votre vie pour faire quelque chose. Voilà, et que ce sont des connexions spirituelles basées sur une grande sagesse, une grande intelligence émotionnelle. Et il y a une connexion qui se fait et qui est très positive, les amis. Voilà, les amis. Donc c'est chouette. On aime bien ces tirages, encore une fois. Voilà, sachant que là, je ressens vraiment beaucoup d'apaisement. Beaucoup de paix et beaucoup de sérénité, et je pense que ben voilà, c'est ce qu'on cherche tous, hein, à être heureux et à être relativement serein, les amis. Et ben avec ce tirage, c'est ce qui me vient, et avec l'appui de l'univers, c'est que l'univers œuvre aussi à vos côtés, hein, pour vous apporter tout ça. L'univers fait en sorte de vous guider vers des choses plus apaisantes, plus douces, voilà, vous aide à retrouver peut-être votre paix intérieure également. Alors, on nous parle de révélation. Donc, pour moi, la révélation, c'est que peut-être que certaines personnes vont avoir des déclics également. Pour des déclics peut-être intérieurs, ou peut-être des déclics par rapport à des gens qui sont à l'extérieur. En tout cas, j'ai l'impression que certaines personnes vont prendre conscience de certaines choses, donc soit par l'intermédiaire d'autres personnes qui arrivent dans leur vie, soit des personnes déjà existantes, soit le soutien de quelqu'un pour vous faire comprendre certaines choses et avancer dans une direction qui vous rendra vraiment très serein et qui vous permettra de profiter un petit peu des plaisirs de la vie. Voilà, chers amis, pour cette guidance, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse journée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye!